salut au nom de Jésus-Christ. Vous êtes la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, c'est un grand privilège pour nous que d'être ici ce soir. La grâce que tu nous as faite d'être ici, elle nous a beaucoup marqué. Et nous sommes heureux de nous tenir dans ta présence. Malgré le chaud soleil, malgré les occupations qui pouvaient être devant nous, nous sommes venus parce que nous savons que c'est un rendez-vous important entre toi et nous. Et notre cœur brûle au fond de nous d'écouter ta parole. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici cet après-midi. Nous avons besoin de la parole. Car c'est toi qui nous as dit que c'est la seule chose qui nous fera vivre. Dans ce monde dans lequel nous sommes, l'arme que tu nous as donnée, c'est ta parole. Et tu nous as dit, quand le diable viendra vous attaquer, de n'importe quelle manière, utilisez la parole. Et nous sommes ici pour recevoir cette parole. Comme l'a dit David, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cela veut dire que nous ne pouvons pas marcher sans ta parole. Notre lumière, c'est ta parole. Et nous voulons que cette lumière soit au devant de nous pour qu'elle éclaire notre chemin. Et nous sommes venu ici pour recevoir cette lumière. Tu nous as dit dans ta parole, vous écouterez la vérité et la vérité vous affranchira. Viens nous aider ce soir à recevoir ta parole. Ouvre nos cœurs à dire amen à ta parole et à faire les choses selon ta parole. Comme tu l'avais dit à Frère Neville, arrêtez de dire que nous sommes dans le message, mais maintenant appliquez le message. Laisse que nous aussi aujourd'hui, les Neville d'aujourd'hui, que nous puissions appliquer le message dans sa totalité et dans sa grandeur. Merci Père. Viens ton serviteur pour le bien de tes enfants. Fais-nous du bien ce soir. Pense à nos besoins et à tout ce que nous avons, Seigneur. Ouin l'interprète et ouin l'église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je vais lire dans Proverbes chapitre 18, verset 20. Je vais lire dans Proverbes 16, je vous l'ai dit. Proverbes 16, verset 20. Proverbes 18, verset 22. Proverbes 31, verset 10. La Bible dit. Proverbes 16, verset 20. La Bible dit, celui qui réfléchit sur ces choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute beaucoup de bénédictions à sa parole pour vous asseoir. Nous allons lire aussi dans Proverbes 18. Proverbes 18, verset 22. Proverbes 18.
Proverbe 18, verset 22. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Proverbe 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Amen. Amen. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Quand on parle de trouver, ça veut dire qu'il y a cherché avant. On ne peut pas trouver sans chercher. Amen. Et la Bible dit, celui qui cherche trouve. Alors cet après-midi, nous allons entrer sur, après avoir vu les conditions à remplir, pour parler du mariage. C'est pas n'importe qui parle du mariage. Ce sont les gens qui remplissent les critères de la parole. Les critères là ne sont pas des lois des hommes, mais ce sont les lois de Dieu pour avoir un mariage réussi. Et nous avons vu que la première chose que l'on devait regarder dans sa vie, c'était d'abord avoir le Saint-Esprit ou être né de nouveau. Quand tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas parler du mariage. Et la deuxième chose, c'était avoir un travail. Avoir faire quelque chose dans la vie qui te procure des revenus. On n'a pas dit une qualité ou une sorte de travail, mais c'est juste avoir un travail qui te permet de bien vivre, d'avoir un revenu où tu peux répondre aux besoins de ta vie. Alors tu peux prendre ça comme un acquis, parce que le travail va te permettre d'avoir une maison. Le travail va te permettre d'avoir des économies. Et une fois que tu as tout ça, tu es en train de répondre aux critères du mariage. Et autre chose encore, il y a ce qu'on appelle la prière. Prier suffisamment avec ferveur pour que Dieu te conduise dans le mariage. Parce que la prière te permet de connaître la volonté de Dieu. La seule chose qui te permet de connaître la volonté de Dieu, c'est la prière. La prière ouvre les portes. La prière t'amène à recevoir de Dieu les bonnes choses. Et la prière aussi fait fuir les mauvaises ombres, les mauvaises décisions, les mauvaises atmosphères sont chassées par la prière. Et une fois que tu as prié minutieusement pour ton problème de mariage, et Branham dit, vous devez prier jusqu'à exaucement. Et une fois que tu sens que Dieu t'a exaucé, en ce net moment, tu peux aller voir ton
ton pasteur pour lui dire que mes critères sont déjà remplis. Maintenant, je veux avancer dans le mariage et dans mes prières, Dieu m'a conduit vers telle sœur. Et le pasteur n'a pas grand-chose à faire si ce n'est de pouvoir appeler cette sœur et la dire si elle est libre, bien sûr. Si elle est libre, elle n'est pas occupée. Amen. Le pasteur peut l'appeler, la demander aussi. Et si la fille est d'accord, vous pouvez commencer les fréquentations. Et quand la fille va accepter, le pasteur va voir aussi les parents, leur informer sur la décision de leur fille. On va voir aussi ce que les parents vont dire. Si les parents sont aussi d'accord là, alors le chemin est balisé pour des fréquentations. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et c'est là que les fréquentations débute. Maintenant, nous voulons, avant les fréquentations, maintenant parler quand tu vas prier ou quand tu vas vouloir t'approcher d'une sœur. Qu'est-ce que tu dois regarder pour avoir une bonne femme ou pour être avec un bon homme? Parce que nous parlons sur la réussite d'un mariage. Qu'est-ce que tu dois regarder? Quel doit être ton modèle pour que tu puisses faire un bon choix? Et nous avons vu avec vous déjà, en lisant la Bible, dit celui qui réfléchit sur ces choses trouve le bonheur. Et le mariage, c'est quelque chose de très, très touffu. Il faut vraiment y rentrer prudemment. Parce que c'est ta vie qui est engagée dans ce petit jeu que tu vois. Ça semble être comme un jeu, mais c'est ta vie qui est engagée là-dedans. Alors, pour éviter les dégâts, pour éviter les problèmes, pour éviter les surprises, il faut que tu puisses prendre ça avec beaucoup de sérieux et y réfléchir minutieusement. Alors, pour aider tout le monde, nous voulons voir quels sont les critères ou les choses que tu dois observer à une femme avant de t'engager dans le mariage. Avant de l'accepter. Primon, je vous l'ai dit, et c'est frère Branham qui l'a dit, quand il y avait, je crois, une soeur qui voulait se séparer de son mari ou un homme qui voulait se séparer de sa femme pour épouser une autre personne, frère Branham lui a dit, recevez le Saint-Esprit et lui, il choisira la femme qu'il vous faut. En d'autres termes, celui qui choisit une femme dans un homme, ce n'est pas la personne elle-même, mais c'est le Saint-Esprit en toi qui choisit ta femme. Et c'est le Saint-Esprit en toi aussi, sœur, qui va dire oui à un homme. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu feras toujours un mauvais choix. Oui. À moins que Dieu te fasse une grâce exceptionnelle. Mais souvent, la vue attire plus que le spirituel ou l'intérieur. Et la femme que tu choisiras ne sera pas une surprise
Amen. Parce que la femme que tu vas choisir, c'est ta propre nature. Frère Madame dit ceci. Entrée de lui au paragraphe 27. Il dit, ma dernière réunion. La dernière réunion que j'ai eue, trois points de suspension. Ceci sera mon premier message. À vrai dire, que je prêche depuis ce temps-là. J'étais en train de prêcher à Los Angeles, à Biltmore, auditorium. Et je parlais d'un homme qui s'est choisi une épouse. Vous en avez probablement la bande. Madame dit, j'ai dit, cela reflète son caractère et ses ambitions. La femme que tu choisiras, l'homme que tu choisiras, ça montre ce que tu attends demain. Quelle ambition tu as pour ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Quelle est l'image que tu veux te faire de ton futur? Et cette image que tu veux avoir, ou ce que tu veux atteindre comme ambition ou objectif, ça se voit dans le choix de femme que tu fais. Frère Madame dit, j'ai dit, cela reflète son caractère et ses ambitions. Lorsqu'un homme se choisit une femme, se choisit une jeune fille, pour qu'elle devienne sa femme, s'il se choisit une, vous savez, une fille moderne, une espèce de riqueta, cela montre simplement ce qu'il est. S'il épouse une reine de beauté ou une reine de sexe, du sexe ou quoi que ce soit, cela montre ce qui est réellement dans l'homme. Le caractère ou la nature de la femme que tu choisiras, ça montre réellement ce qui était en toi-même. Donc le choix doit se faire par rapport à la nature qui est en vous. Et frère Branham dit, il continue au paragraphe 28, il dit, mais un chrétien recherche le caractère chez une femme, car il envisage de fonder un foyer avec cette femme dans l'avenir. Quand on se marie, on ne fait pas des jeux. Tu veux fonder une famille avec cette femme-là. Tu veux fonder un avenir, un futur meilleur. Alors ton choix doit être conséquent. Madame dit, j'ai dit, une femme dans l'avenir, il envisage, il prend une femme au foyer. Pas une femme que tu vas regarder dans dîner dans ta maison ou danser, non. C'est une femme de foyer. C'est une femme qui doit tenir la maison. Frère Madame dit, il prend une femme au foyer. Et j'ai dit, alors, Christ, selon sa parole ici, nous dit quelle sera notre futur demeure. Quel genre de femme va-t-il donc choisir? Une prostituée dénominationnelle? Jamais. Christ ne choisira pas une prostituée. Christ ne choisira pas une femme, une chrétienne qui va dans les Bizinga. Amen. Christ a compondé, moi je suis à Kenegna Bizinga. Non. De. A pas ça. Wana de. Il fera pas ça. À cause de la yangote.
Quand tu fais ça, c'est la prostitution. Tu mélanges la parole de Dieu et le mal. Amen. Amen. Il choisira une femme qui est caractérisée par sa parole et ça sera elle l'épouse. Ce n'est pas n'importe quelle femme. Ce n'est pas n'importe qui se dit chrétien qui doit. Non. Dieu a des critères pour son épouse. Raison pour laquelle il faut être sérieux avec la parole. Est-ce que c'est clair? La femme que tu choisiras, ou l'homme que tu choisiras, dis tout sur ce que tu es. Faut pas vous y tromper. Ta femme montre au dehors ce que tu caches à l'intérieur. Amen. Abraham dit ceci. Ainsi, le genre de femme qu'un homme va choisir va refléter son ambition et son caractère. Si un homme choisit une mauvaise femme, cela reflète son caractère. Et ce à quoi il s'attache montre vraiment ce qu'il y a en lui. Il n'y a pas d'erreur dedans. Une femme reflète ce qu'il y a dans l'homme. Ne viens pas te plaindre sur ta femme. Plains-toi sur toi-même. Parce que ta femme, c'est ton résultat. C'est dur, mais c'est ça la parole. Frère Madame dit. Une femme reflète ce qu'il y a dans l'homme quand celui-ci la choisit pour épouse. Voilà pourquoi un pasteur ne doit pas s'ingérer dans les affaires de mariage. Parce que tu ne connais pas ce qui est dans ce frère-là. Le choix qu'il est en train de faire là, c'est ça qui est en lui. Tu vas beau parler, tu vas beau crier pour lui dire non, il y a des femmes qui sont meilleures ici, il y a la sœur telle qui a le Saint-Esprit, tu perds ton temps. Parce que lui-même, il n'a pas le Saint-Esprit pour choisir le Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Est-ce que c'est clair? Frère Madame dit ceci. Cela montre ce qu'il y a en lui. Peu importe ce qu'il déclare. Observez qui il épouse. Tout est dans le message. Peu importe ce qu'il déclare. Peu importe les déclarations que tu fais, les expériences que tu nous donnes, ta femme montre ce que tu es, le choix de ton mariage, la personne à laquelle tu vas t'unir, prouve à suffisance ce que toi tu nous caches. Raison pour laquelle, quand on veut choisir les diacres, on regarde les femmes. Oui, c'est important. Parce que là, on va connaître la vraie nature du frère. Que toute l'église dise Amen. Frère, madame, continue. Mais, vous savez, quand vous faites un choix, vous devez vous préparer, observer et prier. Ne mettez pas l'amour dans ces histoires-là. Quand on observe, il ne faut pas mettre l'amour. L'amour est aveugle, non. Tu n'es pas encore aveugle de l'amour. Tu seras aveugle à la maison.
Ouvre d'abord les yeux. Branham dit, ouvre les yeux. Frère Branham dit, celui qui veut se marier doit grandement ouvrir les yeux. Il doit être aveugle. Je suis content parce que je répète le prophète. Et je crois que si quelqu'un l'applique, il sera béni. Mais vous savez, quand vous faites un choix, vous devez vous préparer, observer et prier. Car nous voyons en ceci la parole de la promesse. Elle, l'épouse que choisit un homme, va refléter son caractère. Ça révèle ce qu'il y a en lui. Ton épouse est une révélation de toi-même. Ton épouse que tu choisis est une révélation de toi-même. Maintenant, pouvez-vous vous imaginer un homme rempli du Saint-Esprit? Branham dit, imaginez-vous. Un homme rempli du Saint-Esprit prendre pour épouse une telle personne. Je ne comprends tout simplement pas cela. Frère dans le message qui est en train d'aimer une soeur qui prie dans le Zolo Amour. Ah non, donc il n'y a rien à faire. Donc le frère lui-même à l'intérieur, c'est un biramicine. On ne va pas se battre pour ça ici. Oh non, frère, allons conseiller le frère. Et permettez-lui de recevoir le Saint-Esprit. Tu t'amènes? Amen. Branham dit, je ne peux pas concevoir ça. S'il y a une partie qui est très sérieuse dans ce sujet-là, c'est ce que je prêche maintenant. Tout ce que j'ai prêché là, tout ce que je prêcherai, c'est seulement les conséquences. Mais la cause, c'est ça que je prêche maintenant. Et je vais le prêcher jusqu'à dimanche. Parce que si tu rates ça, les conséquences et les conséquences. Si tu réussis ça aussi, c'est les conséquences de bonheur. Frère Branham dit ceci. Oh, merci pour le message. Je ne peux pas concevoir ça. Un homme rempli du Saint-Esprit qui soit une telle personne. Amen. Je ne comprends tout simplement pas cela, frère. Maintenant, il se pourrait que je sois tout simplement un vieux fanatique. Pourtant, vous savez, je ne peux tout simplement pas comprendre cela. Vous voyez, remarquez qu'effectivement, cela va révéler ce qu'il y a en lui. Elle va l'aider à bâtir son futur foyer. Quand quelqu'un veut construire une très bonne maison, il va choisir des bons maçons, un bon aide-maçon. Quand vous voyez un maçon qui a une grande maison à choisir, à construire, et qui va prendre un estropié comme aide de sa maison, il n'y a pas de sérieux. Hein? Un maçon qui veut construire sa maison, il va prendre un fou pour l'aider. Comment vous allez voir ça? Comme il a chanté, il prend le sable, il met sous la tête. Comment vous allez voir ça? C'est déjà un point pour montrer qu'ils ne sont pas sérieux. Qui se ressemblent? Se ressemblent. Frère Branham continue. Rappelez-vous maintenant, un homme et sa femme sont un. Vous uniriez-vous à une personne comme celle-là? Si c'est le cas, c'est sûr que cela ôtera plutôt la confiance que j'ai en vous. Amen. Nous pouvons être bien avec tous les jeunes là. Le jour que tu vas aller te marier, je regarde ta femme, je détache ma confiance de toi. Amen. Et tu peux remarquer que le pasteur s'est éloigné. Je comprends fait ce que tu es. Amen. Ça ne ment pas. Amen. Dites amen. Amen.
C'est Frère Branham qui a dit ça. Si c'est cela, c'est la femme que tu vas aller choisir. Même si tu es un bon garçon qui sourit avec moi tous les jours, je vais commencer à me détacher. Si c'est le cas, c'est sûr que cela ôterait plutôt la confiance que j'ai en vous. Alors comment Dieu pourrait-il s'unir à une telle chose? Une véritable prostituée dénominationnelle. Ne croyez jamais que vous allez aller changer une femme à la maison. Non. Non. On prend une femme changée. Pas une femme pour laquelle je vais aller changer à la maison. Moi, je suis dans un marché. Il y a des radios qui fonctionnent, qui marchent. Maintenant, moi, je vais seulement prendre une radio que je vais amener à la maison. Après, je vais chercher le réparateur. Non. Déjà là-bas, au marché, on essaie ça. Ça parle pas bien. C'est mon argent. C'est mon temps à moi de choisir. Qui t'amène? Amen. Pensez-vous qu'il le ferait? Ayant une forme de piété, mais réunions ceux qui ont fait la force. Il ne le fera jamais. Elle doit avoir son caractère en elle. Ce que tu vas chercher chez ta femme, c'est ton caractère. La véritable et authentique église née de nouveau doit avoir le caractère qui était en Christ. Car le mari de la femme, le mari et la femme sont un. Et si Jésus ne faisait que ce qui plaisait à Dieu, gardant sa parole et manifestant sa parole, son épouse devra avoir le même genre de caractère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Frère Madame dit, oh Marie, et tu ne le sais pas. 45. Il dit, pensez-vous, imaginez-vous une jolie femme épanouie en tant que femme belle, bien bâtie, de belles formes, un beau profil, un beau visage, une beauté. Et le fait même qu'elle est jolie montre qu'on est au temps de la fin. Amen. Voyez, elle a tout misé sur les apparences du monde. Les choses du monde. Au lieu de la beauté, de la sainteté, de la douceur de l'âme. J'ai vu des femmes dont l'aspect extérieur n'avait rien d'attrayant. Mais parlez-leur une fois, parlez avec elles pendant quelques minutes. Elles ont vraiment quelque chose d'authentique et d'attrayant. Vous voyez, la beauté extérieure, c'est du diable. Amen. C'est le monde, c'est du monde. Vous n'avez pas dit amen? Amen. Question réponse numéro 259, il dit, remarquez mes frères, écoutez ceci. Savez-vous que souvent vous choisissez la mauvaise compagne ici sur terre? Une jolie paire d'yeux, brun, ou bleu ou gris, qui vous ont envoûté. Amen. Une femme très jolie peut t'envoûter. Amen. Merci beaucoup. Amen. C'est même ça. Amen. À comme si on soit bas. Moi, au moins, sous parole, hein? Et ça a été. Frère Branham dit, elle peut vous envoûter avec ça. Alors que
vous n'aurez pas dû vous y laisser prendre. Beaucoup d'hommes sont conscients, que ce qu'il avait choisi dans sa femme, c'était la beauté. Et les souffrances qu'il a dans la maison, l'homme est conscient que c'est ma faute. Non, dites un bon amen. Amen. Ah, c'est maintenant le mariage. Le mariage commence maintenant. Là. Les bandits des Sikoyo. L'homme lui-même est conscient. Tu avais aimé les mollets, non? Oh, c'est pas la canne à ma colonne. Tu avais aimé ça? Oh, c'est pas la canne à ma. Tu avais aimé les yeux? Oh, c'est pas la canne à miso. Tu avais aimé la forme? Oh, c'est pas la canne à miso. Une bonne silhouette. Amen. Et l'île n'y a pas de miso. Et oui, c'est tu là? Mais tu l'as avec les épines. Quand tu as dit la banzoube. Amen. Ne cherche pas autre chose. Continue toujours à te contenir de la forme que tu avais aimée. Amen. Oh, le message est joli. Madame dit, un homme qui se marie devait premièrement aborder cela avec beaucoup de prières. Beaucoup de prières. Vous ne devriez pas choisir une femme pour sa beauté extérieure. Mais plutôt pour sa beauté intérieure. Une femme qui sera une mère pour vos enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Oh. Pas pour sa beauté. Tu dois penser à tes enfants. Vraiment. Dit ceci. Je crois que je vais terminer par là. Il dit, je sais que cela va paraître terrible qu'un ministre dise ceci à la chair. Mais j'avais coutume d'accompagner des acheteurs de bétail quand j'étais dans l'ouest. Suivez ça bien. Vous achèterez les bêtes de reproduction. Nous achetions des bêtes de reproduction. Car on voulait commencer à faire l'élevage. Et là-bas, j'ai beaucoup appris en observant ce que faisaient les commissionnaires priseurs et les acheteurs. J'avais l'habitude de fréquenter un vieil ami qui venait avec moi à l'église et que j'ai conduit à Christ. Il était au départ un parfait incroyant. Monsieur Gévérez. Beaucoup d'entre vous se souviennent de lui. Un propriétaire de ranch dans le Colorado. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont au Colorado. Amen. Nous allions, Branham dit, nous allions, il y achetait une vache. Un jour, suivez ça bien, un jour, j'ai vu une petite génisse de reproduction être vendue pour $11,000. Une petite vache du rien du tout, mais on a vendu ça $11,000. $11,000 peut faire aux environs de 9 millions. Et que ça va millions et pas n'abuse pas du bois. $11,000. Une petite génisse, madame dit, mais on achetait à $11,000. Voilà pourquoi parfois quand tu vois une famille, on te taxe beaucoup sur la dot. Donc ça veut dire que la femme là, elle est très bonne. Peut-être maintenant les gens jouent beaucoup sur la beauté, sur le travail. Mais avant, c'était vraiment l'intérieur qu'on regardait. Aujourd'hui, si la femme travaille, l'argent monte. Si elle est belle aussi, l'argent monte. Que Dieu mette seulement le caractère dans les femmes qui ne sont pas trop belles pour qu'elles soient moins chères. Comme les gens regardent seulement la beauté. Il dit, juste une petite génisse qui n'avait encore jamais vêlé. J'ai dit, Jève,
si j'avais de l'argent, je le placerais dans cette chemise. Monsieur Javérez, il dit, si j'avais de l'argent, c'est la bête là que je devais acheter. Frère Banam dit, et je me suis dit, eh bien, c'est un propriétaire de ranch quand même lui. Il connaît bien son affaire, j'ai dit. Chef, pourquoi veux-tu? Quelles sont les qualités requises? C'est une hérofaude. Donc la bête là, c'est une hérofaude. Amen. Celle que l'on a vendue. Il y a une bête qu'on avait vendue, on a vendu il y a quelques instants pour 300 $. Ça fait 180 000. Une grosse vache, 180 000. Amen. Une petite vache, 9 millions. Million du bois. Dans l'écart. Moi-même aussi, quand j'ai lu ça, j'ai ri un peu. Mais j'ai dit que le message, il y a tout pour que je ne puisse pas rater un choix. Frère, madame dit ceci. Pour 300 $, me paraissait une génisse plutôt robuste et tout. Il m'a dit, regarde Billy, il y a une chose que tu ne comprends pas dans l'achat du bétail. Souvenez-vous que mon sujet s'est dit, c'est sur quoi se baser pour faire un choix. Billy, tu ne sais pas ce qu'il doit, tu ne comprends pas ce qu'on doit faire dans l'achat des bécailles. Il m'a dit, je pense que tu ne devrais t'en tenir qu'à la prédication itinérante. Toi, va prêcher. Laisse-nous choisir le bétail. Toi, tu connais beaucoup sur la prédication, va dans la prédication. Mais nous, pour les bétails, nous connaissons des choses. Oh! Qu'est-ce que tu connais, frère Jev? Il a dit, tu ne t'y connais pas dans le bétail. Il a ajouté, maintenant, regarde cette génisse là-bas. Nous nous sommes rendus là. Il a dit, vois-tu cette lueur sauvage dans ses yeux? On ne choisit pas une bête par rapport à son corps, mais par rapport à ce qu'il dégage de ses yeux. Frère Branham dit, oui, j'ai vu. La lueur sauvage. Le comportement sauvage caché dans ses yeux. Et il a ajouté, ses petits, les petits de ses petits, et les arrière petits des petits de ses petits auront toujours ce regard sauvage. Oh, que Dieu soit loué pour le message. C'est toute une génération qui est perdue à cause d'une femme. Elles auront rendement médiocre. Non. Amen. Un rendement médiocre. Elles ne seront jamais des mères pour leurs petits. Mon ami, il y a des femmes qu'on ne choisit pas. Moins de problèmes, elles ferment ses effets, elles sont parties. Une femme au foyer ne ferme pas les affaires pour un petit rien du tout. Je vais partir. Mais toi, tu t'es marié pour partir.
C'est quel esprit ça? Voilà mon limonin. On doit venir encore te chercher chez tes parents. On vient chez toi là-bas. Il y a un ça ne va pas. Dites amen. Cette lueur sauvage. Moi je prêche mariage. Hein? Je vous raconte une histoire que j'ai écoutée qui m'a fait du bien. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on était en train de recruter les gens. Maintenant, il y a des enfants qui sont partis, ils se sont fait enrôler. Il y a un enfant qui n'avait pas de pied, il avait seulement un pied, l'autre pied était coupé. Il est parti aussi, il a dit, mais comment vous avez pris mes amis? Prenez-moi aussi pour que je rentre dans l'armée. Le monsieur qui était en train de recruter, il a dit, non, toi, on ne peut pas te prendre parce que tu es inapte. Les autres, on les prend sauf toi. L'enfant a regardé son pied. Il était très triste. Après, en rentrant à la maison, il est parti voir sa mère. Il dit, maman, nous sommes partis là-bas pour être enrôlés. Mais on a pris les autres. Moi, on m'a dit qu'on ne peut pas me prendre à cause de mon pied. Dis-moi d'abord, qu'est-ce qui s'est passé avec mon pied là? Sa maman dit, oui, effectivement. Il y avait un petit firon qui était sorti à ton pied. Et ça avait fait un peu du pus là. Et je commençais à appuyer ça. Comme tu pleurais beaucoup. Et je ne voulais pas que tu pleures. Alors j'avais laissé d'appuyer et après ça a infecté tous les pieds. On a coupé les pieds. L'enfant a dit, maman, tu es méchant. Fallait appuyer ça. Aujourd'hui je devais rentrer dans l'armée. S'il y a un moment qu'on doit faire mal, c'est maintenant. Amen. Au lieu que tu aies un pied coupé, est-ce que c'est clair? Amen. Elle aura un rendement médiocre. Elles ne seront jamais des mères pour leurs petits. Puis il a dit, tu ne pourras jamais les engraisser. Elles ne donneront jamais de viande. Il y aura l'insoumission. L'orgueil, le vantardisme. Tu parles, elle parle. Tu dis deux mots, elle répète. C'est la lueur sauvage. Regarde maintenant, il a dit, maintenant laisse un peu le regard sauvage. Maintenant, allons voir celle qu'on a vendue à 11 000 $. Celle qui a été vendue, regarde, comme elle a l'air gentille, vois sur sa face cette expression paisible, ce regard gentil. Il n'y a rien d'agarre dans ses yeux. Tu arrives quelque part. Tu vas aller voir la femme que tu vas épouser. Les lobos pas. Moi je prends mon sac. Regard sauvage. Ça ment pas. Est-ce que je suis clair? Tu arrives comme ça. Lisons.
Il n'y a rien d'agar dans ses yeux. Il a dit, elle sera une vraie maman pour son petit. Et le petit de son petit, et le petit du petit de son petit, continuera à être ainsi. Oh, si j'étais à votre place, je disais un grand amen. C'est très ça. C'est exactement ça. Et Zali Bongo pendait à solo. Tu arrives à la maison, une fille qui insulte sa maman, qui l'a mis au monde. Et son papa, Azo Sokola, Bango Lokola Savon. Après, yo, oh non, le pasteur Bolingo. Amen. Quel Bolingo, là? Quel boulingo? C'est quoi ça, c'est cet amour là? C'est quoi? C'est quelle histoire d'amour là? Hein? Ton papa? Tata na ta maman? Mama oya yo. Tu es tenté de les laver comme ça devant les gens. Mais moi tu vas faire quoi? Moi tu vas me suyer sur comme sur les carreaux? Amen. Au pangusanga na bakaro. Dis amen. Très bien. Je vais appuyer la plaie là pour que ton pied ne se coupe pas. Même si on les lit, tu finis là. Madame dit, et il a dit, elles seront toutes des mamans. S'ils peuvent trouver pour cette génisse le taureau de reproduction qu'il faut aussi. Pour que les enfants là soient bien, il faut le taureau de reproduction soit aussi équitable. Tu arrives chez le frère là-bas, au moins le frère il aurait pas souri là-bas et comme il était à côté. Après, on dit le frère. On a pas nos bundes. Donc, combien ça qui m'a cassé la bête moto, la timoto molangi. Tous les gens qui ont fait quand ils sont rentrés, ils ont dit que nous allons nous faire un kamati bilo kona ngai. Nakei. Oh, ben do beta batonanzela boy. Là, tu commences à taper les gens. Ngai obomangai. Mais moi, tu vas me jeter. Obomangai. Tu vas me tuer. Amen. Amen. Dites amen. Voyez-vous, cela déterminera ce qu'ils seront, ce que seront leurs petits. Depuis le mariage, on peut connaître vos enfants. J'ai vu sur internet, il y a une formule là. Dès que tu choisis ta femme, on peut donner le visage qu'aura vos enfants. Vous n'avez pas encore mis au monde, on vous colle là et puis on dit que les enfants qui vont mettre au monde seront comme ça, à peu près les faces de vos enfants. Et madame dit ici, cela déterminera ce que sera leur petit. Mais si un homme essaie d'acheter du bétail, ce regard agarre produira toujours un troupeau médiocre. Ah, merci pour le message. J'ai dit oui, monsieur. Est-ce que quelqu'un peut dire aussi oui, monsieur? Branham a dit merci. Maintenant, écoutez pourquoi Branham a dit merci. Amen. Et dit, et la même chose s'applique aux femmes. Ça s'applique où? Et ça peut où ça? Au femmes. Prenez une de ces femmes au visage fardé. Et au regard agarre. Ça, c'est seulement fiasté. Frère, nous avons besoin du bonheur. Il n'y a aucune personne qui a besoin d'une maison en chaleur. Moi, je connais un frère qui m'avait dit, quand je reviens de la maison, ah, oh, frère Flavien, quand je retourne à la maison, dès que je vois le mutoko, l'arbre là qui est...
Il dit, dès que je vois le motoko là, mon cœur commence à battre fort. Moi, j'ai regardé le motoko là, j'ai dit, il n'y a rien quoi ici. Tu ne peux pas comprendre. Mais le motoko là, tu as quoi avec l'arbre? Ça, c'est l'arbre, toi, c'est toi. Il dit, non, quand je vois cet arbre là, ça montre que je rentre à la maison. Je vais en prison. Prison dans sa maison. Une femme qu'on ne reproche pas, une femme qu'on ne peut pas blâmer, une femme qu'on ne peut pas dire, ça c'est pas pour. Dès que tu commences là, c'est toute la parcelle qui a alerté. On dirait une espèce d'animal, comme elle tente de se défigurer pour ne plus ressembler à un être humain. Elle ne va jamais rien donner de bon. Elle va courir tout le temps. Et le christianisme n'est pas ça, la beauté de l'extérieur. C'est celle de l'intérieur. La tranquillité, la paix, la parure d'un esprit tranquille. Quand une femme parle, on doit sentir que c'est une femme qui est en train. On sent la douceur. On sent l'esprit paisible. Pas un esprit agressif. Que quelqu'un dise merci Seigneur. La parure paisible qui est d'un grand prix devant le Seigneur. C'est ce que nous désirons trouver chez la femme. Pas seulement chez la femme. Et chez l'homme. Chez qui que ce soit maintenant. Que ce soit l'homme. Que ce soit la femme. Tous les deux doivent être droits. Madame dit, je vais dans le bureau d'un homme qui se dit chrétien. Les murs sont couverts de photos de jeunes filles peu vêtues. Et cette vieille musique de Boogie Woogie est en train de jouer. Peu importe ce qu'il dit, je ne crois pas son témoignage. Car son esprit se nourrit de ces choses du monde. Que la mondanité soit loin de nous au nom de Jésus-Christ. Que dire s'il épousait une fille de musique hall? Ou s'il épousait une reine de ce sexe? Ou tout simplement une moderne jolie Riqueta? Cela reflète cela montre ce qu'il pense de son futur foyer. Car il a prise pour il l'a prise pour qu'elle élève ses enfants. Et quoi qu'il en soit, c'est en fonction de cela qu'elle élèvera ses enfants. Cela reflète donc ce qu'il y a dans l'homme. Un homme qui prend une telle femme montre tout simplement ce qu'il pense du futur. Donc avant de nous parler ici, là, quelqu'un n'a pas la tête, t'as le comportement. Amen. Avant de parler ici, je veux me marier. Regarde. Non, n'a pas la tête, t'as la comportement. Non, avant, le bosso le bête, n'a pas la tête, t'as la nani bizarre les nayo. Amen. Amen. Parce que les génisses au bon regard ne mettent pas du temps. Mpo, bango mbo bata la bazana et tal et liya malamu wana, bango mbo la tête. Amen. Va ou faux? Il y a solo. Je suis parti acheter les poules. J'ai vu des grosses poules là, blanches là. J'ai dit, ça, la femme là m'a dit, papa, je vois que tu ne connais pas. Ma sauce à Pembo, il pèse à maqueté. Ah, mais les poules blanches là ne donnent pas. Oh, mais papa. Après, j'ai vu encore d'autres poules grosses. J'ai dit, bah, moi, c'est ma lemba, bah, ça, c'est la maquette. Oh, et qu'après, on a dit, j'ai dit, bon, a l'ingu, oh, et qu'on peut s'amener, c'est là. J'ai dit, bon, maintenant, là, je m'assois, je ne choisis plus. Elle est rentrée, elle a dit, yeo, yo, yeo, yo, yeo, yo, agobota. J'ai dit, amen. Amen.
J'ai pris ça, j'ai amené, si j'ai déposé. J'ai dit, Bimba, dit comment là-bas? Là, ça va. Demain, on aura 11 œufs. Après, demain, encore 11 œufs. Pas comme au Bota. Cela montre que laissez le Saint-Esprit choisir pour vous. Ne vous battez pas pour ça. Amen. Si j'avais fait la tête du oh non, non, non. Moi, je devais avoir des poules. Amen. Que je nourris. Pas des œufs. Mais qui Alléluia. Voilà, me dit, voilà, quand tu as un futur que tu veux bâtir, tu sais que tu as des projets avec Dieu. Il y a aussi des garçons qui savent que peut-être qu'il a le ministère. Et tu t'assardes pour aller choisir n'importe quelle fille sans prendre conscience de ce que tu as comme projet. C'est ta vie qui est casse-pied. Le frère Branham dit, oh, c'est tellement beau ça. Hein? Pouvez-vous vous imaginer un chrétien faire une chose pareille? Non, monsieur. Moi, je ne le peux pas. Alléluia. Amen. Si Branham ne le peut pas, toi aussi, tu ne le pourras pas. Madame dit. Madame le dit. Hein? Moi, je ne le peux pas. Un vrai chrétien ne cherchera pas ses reines de beauté, ses filles de musique hall et ses reines du sexe. Il cherchera un caractère chrétien. Est-ce que toute l'église va dire Amen? La beauté est en second plan. Mais qui t'occupe à la d'abord le caractère. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et vous savez, le caractère n'est pas un don. Le caractère est une victoire. Et le caractère, ça se forme au moyen des épreuves. Et s'il y a une chose pour que tu évolues en Dieu, il faut que tu puisses dire amen à tout ce que Dieu dit. Vous savez, parfois Dieu cache une bénédiction en te disant quelque chose que Dieu connaît que c'est pas bon, mais il te dit ça quand même. Amen. Pour voir jusqu'où tu peux obéir. Amen. Pour voir ta capacité. Un jour, Jérémie a pris les récapites, les a fait asseoir. Il a mis le vin. Et c'est Dieu qui lui a dit ça. Pour voir. Un jour, je dis à Abraham, prends ton fils là, que je t'ai donné. Il avait beaucoup d'écritures que Dieu lui avait dit. Après, Dieu vient encore lui dire, prends ça, va tuer ça. Abraham prend l'enfant. Dieu regarde. Dieu n'avait jamais béni Abraham comme il avait béni à cette épreuve-là. Il avait béni avant. Mais là, Dieu avait débordé. L'obéissance amène Dieu à te regarder. N'ayez pas un esprit à garde. N'ayez pas un esprit de révolte. Ayez un esprit tranquille, un esprit d'écoute, un esprit de révérence, et un esprit qui s'approche de Dieu. Amen. La désobéissance a toujours mal payé ceux qui le font. Même dans l'église. Quand on dit quelque chose, c'est fini, c'est fini. Nous ne sommes pas des policiers. Quand le guide dit ça, on ne fait plus, on ne fait plus. Quand tu es en train de te rébeller dans ça, mais c'est ta propre tombe que tu creuses. J'ai vu les gens rebelles et je les ai vus recevoir le salaire. Soyez humble. Tu dois être malléable.
Mets-toi dans la main de Dieu, sois malléable, ne sois pas dur, tu vas te casser. Quand quelque chose n'est pas malléable, quand on commence à le tordre, il va se casser. Sois humble. Sois simple. Dis amen à la parole. C'est Dieu qui t'a amené ici. C'est Dieu là, c'est lui qui te parle. Faut pas voir toujours l'homme. Regardez celui qui te parle. Oh, mais les autres, tu n'es pas comme les autres. Pourquoi vous voulez toujours vous comparer? Après, tu commences à lire les citations aussi. Si ma Frère Branham a aussi dit. Tu connais ce que tu lis là. Amen. Hein? Depuis quand toi tu es pasteur? Depuis quand toi tu guides les gens? Tu es une brebis. Et une brebis perd Amen. Ses droits. Amen. Dans tous les sacrifices qui étaient au commencement, il y a un seul sacrifice qui se retrouve jusque dans le millénium. C'est l'agneau. Les tourterelles vont rester. Les cabris vont rester. Mais il y a une seule et unique qui arrive jusque là-bas. C'est qui? C'est l'agneau. Apocalypse 5, c'est l'agneau. Vous avez pensé à Apocalypse. Partout vous allez partir, même dans le millénium. Le trône. L'agneau sera la lumière. Même dans la nouvelle Jérusalem. L'agneau est là. Mais les boucs ne seront plus. Que Dieu nous aide tous à avoir la nature de l'agneau. La nature qui s'humilie. Parfois Dieu t'attend là. Parfois c'est une petite chose. Hein. C'est là que Dieu veut voir ton obéissance. Ton respect. Et s'il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est l'incrédulité. L'incrédulité ne te fait pas évoluer. Oh, est-ce que vous pouvez aller là-bas, les jeunes là-bas? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vais lire ça rapidement. On va prier. Écoutez ça. Paragraphe 32. Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui. Il dit ceci. Maintenant, tout ce que je peux faire quand tu es dans l'église ici, tout ce que je peux faire, c'est de chasser ce doute de votre cœur. Le doute là t'empêche d'évoluer. Même dans ta vie normale, le doute. Branham dit, tout ce que je peux faire, c'est d'enlever ce doute-là de votre cœur. Je ne sais pas si je peux le faire. Je vais essayer par la prière. Oh, je prie ce soir que tous les doutes qui étaient dans le cœur vous quittent au nom de Jésus-Christ. Et si le doute vous quitte et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est près de vous, regarde ce qui est près de toi. Les anges de Dieu sont dans cette salle. Quelqu'un peut dire amen à ça? Les anges de Dieu sont dans cette salle. Maintenant, écoute ça. Vous dites, est-ce vrai prédicateur? Oui, absolument. La Bible dit qu'il y sent. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Mais, il y a une ombre noire entre vous et cet ange qui veut vous aider. Il y a un ange qui veut t'aider. Mais il y a une ombre. C'est le doute. Quelqu'un va dire, mais j'étais à l'église, je n'évolue pas. Est-ce que tu as enlevé l'ombre?
Il y a un ange qui veut t'aider. Il y a un ange qui veut changer ta vie. Il y a un ange qui veut modifier ton parcours. Mais il n'arrive pas à t'atteindre à cause de ce timbre. Branham dit, en apportant le message de Christ. Et ce timbre-là, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Maintenant, si vous pouvez ôter cette incrédulité, cette ombre noire, vous serez alors clairement, vous élèverez, alors vous réjouirez, vous rentrerez chez vous en criant à louange à Dieu et rétabli. Ne laissez pas cette ombre se tenir entre vous. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. L'ombre du mal doit quitter. Que le Seigneur te visite maintenant. Il y a un ange dans la salle qui est près de toi. Cet ange-là est venu pour t'aider, pour te sortir de ton affaire. Mais il y a une ombre noire. C'est l'incrédulité. Le doute. Toi, tu as prié, tu doutes encore. Frère Madame dit quelque chose ici. La voix à laquelle Dieu a prouvé au paragraphe 15. Amen. Il dit, comme référence biblique, j'aimerais lire un passage des Écritures dans le Psaume 103. 1 à 3. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Quelqu'un veut dire amen à ça. Amen. Branham a lu le passage. Après, il a fermé la Bible. Branham dit, en fermant ce livre, je déclare que cette écriture est accomplie en votre présence. Donc maintenant même, vous êtes guéri de votre maladie. Maintenant même, vous êtes libéré de ce péché-là. Branham dit en fermant la Bible. Maintenant même, cette écriture est accomplie. Amen. En votre présence. Aujourd'hui. Amen. En votre présence. Que le Seigneur soit béni. Parce qu'il pardonne toutes vos iniquités et guérit toutes vos maladies. Aujourd'hui. La parole a été manifestée aujourd'hui. Dieu a prévu ce qu'il faut. Et je voudrais dire cela de cette manière. La voix à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. Tu es déjà guéri. Tu es déjà sauvé. Enlève seulement l'incrédulité. Crois. Approche-toi avec foi. Sois obéissant. Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. Mais sois obéissant. Enlève cette ombre noire entre toi et la parole. L'ange est là. Il veut t'aider. Mais il y a cette ombre-là. Il n'y a pas moyen d'avancer. Oh, que Dieu nous aide. Que comme Marie et Marthe qui avaient enlevé la pierre pour que Lazare ressuscite. Que la pierre qui était sur toi te quitte au nom de Jésus-Christ. La pierre qui était sur ta vie, que ça te quitte au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu écoutes la parole, que la pierre soit dégagée, que tu sortes de là sain et sauf. Dieu a besoin de ton âme. Vous savez, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler dimanche. J'ai été touché
J'ai été touché. En lisant la parole, j'ai découvert les citations de Frère Branham sur le sacrifice qu'on fait pour que Dieu nous bénisse. Mes amis, j'ai compris que nous sommes limités par nos propres limites. C'est la vérité. Tu paies la dîme, tu paies l'offrande, tu vois que tu as beaucoup donné. Non. J'ai été touché. Frère Branham dit, c'est la chose que les pentecôtistes ont compris plus que nous. J'ai lu ça, Frère Branham dit ça. Donc, Élie et l'offrande de farine, vous allez lire ça. Branham dit que les pentecôtistes ont mieux compris ça que nous. Voilà pourquoi quand vous partez dans leurs églises, vous voyez des voitures garées. Ce sont des gens qui savent faire le sacrifice. Amen. Et nous, on ne connaît pas ça. Nous, on se préserve plus que sacrifié. Et en se préservant, nous mourons. Il faut un sacrifice. Amen. Si tu veux être grand, il faut sacrifier. Et tu ne dois pas sacrifier n'importe quoi. Tu dois faire un grand sacrifice quand tu as des grandes ambitions. Ah, ce que j'ai dit là, quelqu'un va dire, ah, mais qu'est-ce que j'ai... Oui, c'est ça qu'il te fallait. Amen. Jésus n'a jamais apprécié tout ce qu'il avait donné. Mais il a apprécié cette femme qui avait donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Oh, que Dieu nous donne cet esprit de sacrifice. Tout ce que tu regardes ta vie là, tu te lèves de ton siège, tu prends ça, tu vas, tu déposes. Laisse Dieu faire. Amen. Il y a quelqu'un qui regarde. Oh. C'est la loi du sacrifice. Amen. John Charit a sacrifié. John Charit a pesa kimbeka. La sœur Jackson et son Jackson mari ont sacrifié. Vous allez lire dans votre Bible. Hein? Ceux qui ont fait des grands sacrifices, ceux qui ont eu beaucoup. Tu ne peux pas avoir beaucoup sans sacrifice. Amen. Oh non, j'ai fait ça, donc non. Tu as des grands projets, non. Il faut provoquer Dieu. Et ce n'est pas aussitôt que tu fais un sacrifice que le miracle doit être demain, non. J'aime ce que le docteur Sultan avait fait. Il est reparti voir le frère John Charit quand il vivait dans un garage. Il est reparti le voir. Charit, donc vraiment, je crois que tu souffres beaucoup. Hein. Donc, les clés sont là. Tu peux reprendre seulement la maison là. Parce que dormir dans un garage, toi qui avais une maison, toi qui étais bien, tu te retrouves dans un garage. Vraiment, les clés sont là. Répare. John Charit te dit, non, j'ai déjà donné ça à Dieu. C'est mon sacrifice. Laisse-moi dormir par terre. Sans mousse. Parce que John Charit n'était pas sorti avec la mousse, il était sorti avec les assiettes. Il avait tout laissé là-bas. Tout ce qu'il avait travaillé toute sa vie. En cassant le béton. Oh, quand Dieu veut te changer du travail, il peut demander un sacrifice. Quand Dieu veut changer ta vie, parfois il a besoin d'un sacrifice. La veuve de Sarepta, qu'est-ce que tu as dans ta maison? C'est seulement le peu là que j'ai. Donne-moi que je mange. Oh là là. Voilà le sacrifice. Elle a pris ça, elle a donné. Il s'est pas arrêté avec le gâteau. Il a aussi bu l'eau qui était là. Il a pris l'huile qui était là. Quand tout est fini, le sacrifice est parfait. Dieu a dit, l'huile ne manquera pas. Est-ce que quelqu'un peut me donner un puissant amen? Quand tu as des projets, avance-toi dans les sacrifices. Tu ne souffriras jamais. Si tu souffres, c'est pour un temps. Surtout quand tu le fais pour Dieu. Nous ici là, parfois Dieu ne peut plus nous parler. Il y a des gens que Dieu a déjà parlé. Fais ça, il n'a pas fait. Dieu a parlé dans le cœur, moi zéro. Mais toi, tu veux que Dieu te dise encore quoi? Attention, quand on parle des choses de Dieu, vous savez,
Quand j'ai lu ça, il y a quelqu'un qui m'a donné mon argent qu'il me devait. J'ai dit, dès que j'ai eu l'argent là, j'ai dit demain, je vais acheter l'eau pour l'église. Tout. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai plus d'argent. J'ai dit ça là. Je vais acheter l'eau demain pour l'église. Je vais sacrifier. C'est le seul moyen que je puisse avoir. C'est le seul moyen que je... Frère Branham dit, les pentecôtistes ont compris ça. Vous allez voir comme si on est en train de leur rançonner là. Non. Demain, vous leur verrez là, directeur. Et ceci, et cela, et cela. Amen. Que Dieu nous ouvre les yeux. Frère Branham dit, avant, je déchirais les chèques des gens. Quelqu'un vient, frère Branham, un chèque blond. Branham prend ça, il déchire. Quelqu'un vient là, Branham, chèque. 10 millions. 20 millions. Branham prend, il déchire. John Charit a dit, frère Branham, je vais te corriger. Ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Je suis en train de faire manquer à ces gens-là les bénédictions. Il faut prendre ce qu'il te donne pour qu'il soit béni. John Charit avait compris ça. Mais toi, tu es là. Ça fait des mois, tu n'as pas fait un sacrifice. Tu es en train de vivre sans sacrifice. Il y a sacrifice et sacrifice. Il y a des sacrifices excellents. Il y a des sacrifices quand tu fais ça, c'est excellent. Il y a une manière de donner, Dieu est touché. Amen. Dieu peut changer même le paiement dans un pays à cause de toi. Dieu peut augmenter le salaire là où tu travailles à cause de ton sacrifice. Ne soyez pas des gens sans sacrifice. Non, ne vivez pas comme ça. Si vous voulez aller de l'avant, allez de sacrifice après sacrifice. Amen. Pour les gens qui jouent au Lonaco, si tu joues pour 1000 francs, tu n'auras que 2000. Si tu veux jouer, que l'argent augmente, tu dois aussi beaucoup. Amen. Tu dois beaucoup donner. Vous savez, un jour je faisais rire ma femme. Nous avons pris nos téléphones. Ma femme, elle va demander le crédit. Comment vous appelez ça? Dette. Et dette. Et pour prendre les dettes, elle met ça. Pom. Après, on lui dit, tu ne peux que devoir 1000 francs. 500, 300, 200. J'ai regardé là. Il m'a dit, papa, moi je ne peux pas prendre 2000 parce qu'on avait besoin, je crois, de 2000 ou quelque chose comme ça. Oh, je dis, mais pourquoi ça? Pourquoi ton téléphone là, tu ne peux pas prendre 2000? Tu peux pas emprunter 2000? Moi j'ai pris mon téléphone. Quand moi je demande, on me dit, monsieur, vous pouvez emprunter 20 000, 10 000, 15 000. Elle m'a dit, oh, mais pourquoi chez toi? J'ai dit, parce que moi je sacrifie beaucoup. J'achète beaucoup de crédits et on peut beaucoup me donner. Qui a compris ça? Mais toi dans ton téléphone c'est toujours 100 francs. On connaît que toi là 100 francs. Même quand on te donne 100 francs, là, minute. Donc nous on appelle aussi. Qui a compris ça? Amen. Je vous ai fait rire, mais je vous ai dit une vérité. Si vous voulez que Dieu vous regarde, regardez votre sacrifice. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons prier rapidement. Oh my. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça m'a beaucoup fait du bien. Ça m'a beaucoup fait du bien. Que chacun de vous aussi prenne ça pour lui-même. Un esprit de sacrifice. Seigneur, accorde-moi une simplicité pour que je puisse être vraiment simple devant toi. Aide-moi à avancer. Aide-moi. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore.
crie paix. Elle crie Abba Père, Hosanna, Alléluia. Oh, elle crie Abba. Dieu, notre Père, c'est un grand privilège pour nous d'avoir assisté à cette réunion là où tu nous as parlé comme un Père. Laisse que tout ce que tu nous as donné comme instruction demeure dans nos âmes, dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, s'il y a quelque chose qui nous manquait, que tu nous l'accordes. S'il y a quelque chose qui faisait défaut dans notre vie, que tu l'enlèves. Laisse que le culte de ce soir soit un passage de l'or vers son batteur pour qu'il reflète le batteur. Père, nettoie-nous tous et donne-nous ton image. Tu as dit que le caractère se forme. Donc ça veut dire que c'est toi qui formes le caractère. Forme le bon caractère en chacun de nous. Accorde-nous un caractère chrétien. Un caractère de la parole. Un caractère qui aime le message. Dans sa totalité. Merci Père. S'il y avait des faiblesses de part et d'autre, Père, libère-nous de ces faiblesses-là et accorde-nous la force. Tu es capable de faire des miracles dans nos vies. Alors fais-le d'abord dans notre caractère. Parce que Branham dit que le plus grand miracle, c'est quand un pécheur change. Laisse que le plus grand miracle soit accompli dans toutes nos vies, Seigneur. Et que les petits miracles s'en suivent. Merci, Seigneur. Tu nous as parlé qu'il y a une ombre qui fait obstruction entre l'ange et nous. Laisse que l'ombre de l'incrédulité nous quitte au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que l'incrédulité soit ôtée de nos vies au nom de Jésus Christ. Père céleste Jésus, ne nous laisse pas, Seigneur. Pendant que nous sommes ici rassemblés comme un seul homme, laisse que l'incrédulité soit ôté de chaque cœur. De la même manière que la pierre était ôtée sur la tombe de Lazare, que toute l'incrédulité soit ôtée et que le Lazare qui est mort dans notre vie soit ressuscité. Nous te prions, Père, de regarder le cœur de chacun et de lui accorder la solution à tous ses problèmes. S'il y a quelqu'un qui est venu aliter, qui est venu déranger, Seigneur, laisse qu'il reçoive la solution à son problème. Que chaque personne ici soit guérie au nom de Jésus-Christ. Que chacun soit rétabli. Je te prie, Père, que tout esprit méchant qui suivait ton fils ou ta fille de n'importe quelle manière, il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire dans la vie de chaque personne. Que tous ceux qui me suivent à l'extérieur du pays, à l'intérieur du pays et partout dans le monde, Seigneur, que chaque
chacun reçoive le bénéfice de ce message. Que chacun soit loin, Seigneur, par ta parole. Nous te remettons toutes choses. Accompagne-nous dans nos maisons. Accorde-nous l'esprit de sacrifice, l'esprit de donner sans réserve, l'esprit de tout donner, Seigneur, et de regarder ce que tu feras. Que cela soit ainsi. Béni chacun de nous. Réveille-nous dans tout ce qui est ta parole. Pour que nous ne puissions pas manquer une bénédiction. Accompagne-nous dans nos maisons. Bénis nos dîmes et nos offrandes. Tout ce que nous amenons pour toi. Que cela soit béni. Et aide-nous à aller plus loin encore. Parce que tu nous as dit par ton prophète. Vous devez donner quelque chose qui vous fait mal. Quand tu l'as donné, tu sens la douleur. Que quelque chose t'a quitté. Accorde-nous ça. Dans cette église. Cet esprit de sacrifice. Qui nous touche. Comme l'avait dit David. Je ne peux pas donner à Dieu quelque chose qui ne m'a pas coûté. Seigneur, réveille cette église. Ils ne sont pas loin de leur bénédiction. Mais il y a un sommeil qui est en train de leur garder loin de leur bénédiction. Réveille les seigneurs. David a dit, je ne peux pas donner quelque chose à Dieu qui ne m'a pas coûté. Que cela soit le langage de chacun. Je prie pour eux, Père. Pour que tu les aides. Bénis les offrandes, les dîmes. Et accompagne-nous dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci beaucoup. Et à nous revoir dimanche. À la table du Seigneur.